my cousins, my mother's cousins, they become my aunts and my uncles, and my aunts and uncles, they become grandmothers and grandfathers for my children. So the Sami family is, it's very extended and it's very dear. And when you meet a Sami person that you never have met, the first thing you start to ask about, well, what family do you come from? Who are your relatives? And then it's very important to sort of find out if this person is your relative. Might happen. And often it happens, because we start to dig back generations and generations. Yeah, okay, yes, I had a great-grandmother that was cousin to your great-grandmother, so we must be related. Family is big. And I feel also that as a Sami, in growing up, that insecureness of nature, you never know what happens. You never know. You have to go, even if it's 36 degrees minus, you have to move. You have to go out, even if the cold is burning your skin, and you come home and you're frost burnt. In that situation, you have to feel trust, and you have to feel that there is a reason why I do this. And you cannot get bored. You have to just do it. Et je suis la seule parmi mes frères et sœurs à être née à Beyrouth. Mon grand frère est né à Paris et ma petite sœur est née à Nicosie, à Chypre. Et quand je suis née, mes parents habitaient en zone ouest, qui est la zone qu'on disait être la zone musulmane. Et alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère, d'après ce que m'a raconté ma mère, je sursautais au bruit des explosions, au bruit des obus. Et moi, ça me semble assez vraisemblable. Et j'ai l'impression d'avoir gardé un souvenir de cette période-là, une espèce de sentiment d'insécurité et une manière d'être tout le temps sur le qui-vive. Dans un théâtre, devant une performance, tout comme dans un musée, une école ou une rue, il n'y a jamais que des individus qui tracent leur propre chemin dans la forêt des choses, des actes et des signes qui leur font face ou les entourent. Le pouvoir commun aux spectateurs ne tient pas à leur qualité de membre d'un corps collectif ou à quelque forme spécifique d'interactivité. C'est le pouvoir qu'a chacun ou chacune de traduire à sa manière ce qu'il ou elle perçoit, de le lier à l'aventure singulière qui les rend semblables à tout autre, pour autant que cette aventure ne ressemble à aucune autre. Ce pouvoir commun de l'égalité des intelligences lie des individus, leur fait échanger leurs aventures intellectuelles, pour autant qu'il les tient séparés les uns des autres, également capables d'utiliser le pouvoir de tous pour tracer leur chemin propre. Ce que nos performances vérifient, qu'il s'agisse d'enseigner ou de jouer, de parler, d'écrire, de faire de l'art ou de le regarder, n'est pas notre participation à un pouvoir incarné dans la communauté. C'est la capacité des anonymes, la capacité qui fait chacun ou chacune égale à tout.